Donc, des échassiers idéologiques. Alors, pour ceux qui étaient un peu curieux, qui demandaient comment une moto taxi, on a répondu, mais c'est une blague belge, c'est la vérité. Et voilà, ils se sauvent avec, ils vont sur le déchasse avec les chaînes qu'on voit là-bas. C'est le secret de l'ascension des échasses. Là, je ne sais même pas, mais on va le faire quand même. Si donc, il a été construit en 2003, à Bavary, pour passer les vacances. Il a été fabriqué à Fréchin. Et c'est autour, c'est une médaille. Là, il y a Gérard. Il y a un petit belge, Gérard, qui est norvégien depuis qu'il est né. Hein, voilà. Et donc, l'association d'Andy, qui est aujourd'hui, si les renseignements sont bons, est présidée par madame. Les enfants m'ont dit, bravo. Qui est présidé par Manu. Bravo. Manu, notre ancienne. Ah oui, bah oui. C'est la mes enfants qui l'a depuis le début. Voilà, donc on a plein d'une nouvelle fois. Angie, je cherchais, il n'a pas eu un titre interactif. Il a reçu une label de l'année européenne. 2003 du handicap de ses yeux. Alors, le corps comme d'habitude, accompagné par Marion et ses copains. Nico. Voilà, donc on va accueillir maintenant une troupe de danseurs, de danseuses professionnelles. Avec, je pense qu'il y a Valentin Desossé. Valentin Desossé. On a aussi la Boulois, la Boulou, je me suis trompé. La Boulois, mais non, c'est pas le bon. Donc, on a le French Cancan. À l'occasion du French Cancan. Voilà. Voilà, donc Didier a été de très nombreuses, je pense, pas loin des 40 ans aussi, de l'accompagnement. Combien? Il fait 41, donc 40 ans de Silver. Il a connu le premier, le deuxième Silver. Donc je pense que madame l'adjointe peut-être a prévu quelque chose. On va lire. On va prendre la place de Valentin Desossé. Voilà les danseurs, la commune Valentin Desossé va accueillir un nouveau danseur, un nouveau danseur. On le sent que la red bar, on l'envie. Alors un grand bravo à Didier, qui est en fait un danseur. Un grand bravo à Didier qui va jouer le jeu. Et vous voyez qu'il a le même type de profil que moi, je peux vous dire que c'est pas facile. Je pense que c'est pas du content. Avec Kevin. Ce sont des danseurs professionnels. Heureusement que j'ai prévu les messieurs un peu âgés avec les gens dans le public. Ils en sont des petits brassards de la société cardiologique. Voilà, c'était le premier chanteur. Thank you.
pour Lille. C'est bien pour ça que je me détruise comme ça maintenant. C'est ce qui s'appelle quoi sur la boule. Sur pilotis, c'est ça? Alors, ils sont là. Le groupe a été créé il y a 7 ans. Et donc, ils se sont produits un peu partout dans le monde, en Chine, à Hong Kong, à Dubaï. Et ils sont aujourd'hui à Londres et le Douai. C'était la parade du cirque, Circo d'Estrada, qui est venu de Hollande. C'est les Pipers. Thank you.
Cover, Feed, Pipe, Band. J'ai bien dit? Ah, merci. Dans le de Wallaby. Bon retour à Mons. C'est des hippocampes. Alors, devinez, donc ce sont des hippocampes, pardon. Qu'est-ce que ça peut s'appeler comme... C'est une parade de quoi? Il y a des hippocampes, derrière il y a une baleine. Alors à ton avis, ça s'appelle comment? La parade de la... De la mer. La parade de la mer. Je ne m'étais jamais aperçu que les hippocampes étaient si belles. On le voit au général desséché. Et il y a le petit poisson qui accompagne la baleine. Et vous venez de la mer du Nord? Oui, vous êtes de la mer du Nord. Grandma shark.
va, on passera par lui. Et voici les Aztèques. Alors si tu chantes quatre mots, on a pas de soucis. Les Aztèques, par toi. Ben voilà, ce sont des acteurs pas d'accord. C'est le carnaval finalement qui nous jouait un peu. Alors ça chante pas là. Avec soprano, tout ça, ça marche, hein. Agana, agana, là. Là, on vous entend pas. Voilà donc la chenille qui redémarre. Alors, la chenille, nos Aztèques venaient de t'inquiéter, mais notre chenille Président. Question là? Vous, vous vous dites comment sur l'association? L'association s'appelle Ayons la main sur le cœur. C'est une association qui vient en aide aux familles en difficulté et aux personnes âgées depuis maintenant un an. La vôtre, quel âge? 9 ans. Chouette, ça fait un jeune président à la tête d'une association humanitaire. Bravo, continuez. Thank you.
bravo aux élus qui ont accompagné chacun un groupe pendant le cortège. Je pense aux deux Christophe, je pense à cette année aussi, Olivier, Sylvie. On est nos kits pour aller faire nos petits papillons, peut-être. La chemise emprisonnée de Rennes, et qui vient en aide aux sans-abri. Dépêchez-vous, il y a un dragon derrière la chemise. Non, hein. Ah, bah, on ne fait pas, c'est la musique.
Voilà, c'était Brasse du Show. Voilà, c'était Brasse du Show, donc, qui nous vient de Lille. Tous, à part une, alors j'ai pas, tout à l'heure, j'avais des lunettes de soleil, donc je n'ai pas reconnu, j'ai pas. Il y en a une de vous qui n'est pas brésilienne. Eh voilà, allez, je vous dénonce. Dans un safari et il n'en a plus qu'un. Que les autres, les éléphants sont dans le bois, peut-être ils ont été bouffés. Ils se sont dégonflés. C'est, dorénavant, on les appellera les éléphants de la mémoire. Et vous venez de où alors? À l'ancienne, voilà. Et après, on va demander la
Martin. Voilà, c'était le Méliphant de Jean-Antoine, le Solongou. Voilà, bravo. Alors,
un petit coup de chapeau à Jens, Ivan, Evan, Evan. Un petit coup de chapeau à Jens et à Evan. Jens qui a intégré le porteur, il avait 8 ans. Là, il était plutôt vieux. Evan. Evan qui lui, non seulement, était piqué au porteur, mais qui a fait son propre géant, sa propre géant. On est bien pour féliciter de tous les porteurs réunis. On est toujours prêts, qui est là.
on s'arrête pas, on y va les mecs. On y va.